Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le Grand Prix de Monaco 2006 dans cette saison 2. Donc, le Grand Prix de Monaco, le plus difficile, on se souvient l'année dernière. L'IA nous avait bien envoyé paître dans le mur, c'était sympa. J'espère que ça se passera beaucoup mieux ici. Alors, j'ai pris une petite décision, on regarde un petit peu les analytics de la série. En fait, je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne regardaient pas en fait les qualifications. Donc, pour vous épargner ça, je ferai un cut jusqu'au moment où on voit les résultats, tout simplement. Donc, on se retrouve juste après. Je vais lancer donc la qualification. À tout de suite. Nous sommes impatients de Et de la suivre, retour mon du coup ami. après la Au revoir. qualification, qui était un gros désastre. J'ai raté toutes mes tentatives sauf une. Et la tentative que j'ai pu réussir, je l'avais avec un aileron avant très endommagé. Donc 17ème temps, vous allez le voir. Voilà, 17ème temps, on est au même niveau quasiment que notre coéquipier. Hein. D'ailleurs, je suis en train de regarder un truc. Ouais, il a fait une 15-4, j'ai fait une 15-3, mais c'était en meilleur tour, il a nous a battu, un hein, 14-6, j'ai fait une 15-3. J'aurais pu vraiment passer normalement en Q2, que j'arrive à faire des temps en 14, en essai. Et bizarrement, en essai, j'ai été tranquille, et quand je suis arrivé en qualification, j'ai fait n'importe quoi. Voilà, attends, ça va venir. Allez, c'est parti. On va lancer la course. Ça va être très compliqué. Et on y va. On va pas se faire sortir, surtout. Départ d'Hamilton devant. Oh, attention, on l'avait levé. Un drapeau jaune derrière, je sais pas si c'est devant. Attention, attention à ce qu'on fait là, de pas trop taper Scott Speed. Enfin, Ludy, pardon. On n'a pas les gommes très chaudes. C'est pas évident quand on est en tour devant, parce qu'on voit pas grand chose. Oh, popo! L'intérieur, c'était pas voulu. Ah, je pensais pas qu'il ferait aussi fort à cet endroit. Écoutez, je prends, hein. J'ai vraiment du mal en ce virage, hein, par contre. Allez, on va essayer d'aller chercher clean si c'est possible. Je sais pas si mon rythme de course, j'ai coupé. Alors ça, vous allez voir 10 fois parce que j'avais mal à freiner. Je sais pas si mon rythme de course sera suffisant. Voilà. J'ai vraiment du mal, hein. J'ai l'impression de pas avoir beaucoup d'appui. Bon, au moins, on s'est pas sorti au premier tour. Petite amélioration par rapport à la saison 1. Il y aura 16 tours à parcourir, ce qui est assez énorme. Après, le circuit est assez court. Je prends. Hein. Tes pneus sont verts sur l'indicateur d'état. Ok, enfin, ils sont verts.
Vu que j'ai un pneu qui est bleu, ça veut dire qu'on chauffe vraiment pas beaucoup les gommes. Ah, j'ai plutôt bien pris cette fois-ci. Voilà Massa en pleine attaque. Là par contre c'était moins bien. Il a commencé à se détacher d'Alonso. L'écart est maintenant d'une seconde et demie. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas d'huile devant. C'est le cas en qualification à un moment. Ça m'a d'ailleurs fait perdre un petit peu de temps dans le dernier tour justement de qualification. Je me demande, c'est même pas pour ça que j'ai pas perdu un dixième qui me manquait. Il y a quand même difficile hein, ici. On a pris toutes les quilles, c'est pas grave. Tu viens de faire ton meilleur temps dans la deuxième portion. Heureusement que ça coupe pas là. Il faut faire gaffe à la remontée. Il y a une légère petite bosse, et si on accélère trop fort, bon, on part instantanément dans le mur. Sur la Red Bull. C'est pas le secteur où je suis le plus rapide ici. Oh attention, j'ai fait me prendre le mur direct. On va pas dire, c'est vraiment le circuit le plus difficile du jeu. Sans cesse son avance sur Fernando Alonso. L'écart est maintenant porté à 1 seconde 8. Deux dixièmes plus rapide dans la troisième portion. Ah, en trajectoire malheureusement. Oh non! Une des BMW a foncé dans la glissière de sécurité. Oh non! C'est Nickelfeld. Ce n'est vraiment pas de chance. Il a dû abandonner. Non! Oh, le pneu arrière! Voilà, c'est terminé. L'arrière qui a lâché. L'arrière qui a lâché, malheureusement. Ah, c'est dommage! Ah, on est en train de revenir en plus à la Red Bull. Alors du coup, Alonso remporte la course devant Massa, Raikkonen, Schumacher, Button, Fisichella, la Trulli, Barrichello. Bon, heureusement, Williams ne marque pas de points. Par contre, Oda marque des points, Villeneuve était 10, il finit 18ème quand même. C'est toujours un plaisir de venir dans cet endroit unique. On remettra ça dans deux semaines. Alors, Schumacher en tête du championnat, Massa 2ème, Alonso, Fisichella, Montoya, Barrichello, Raikkonen, Button. Du coup, on va voir Silverstone.
Bon. Il reste 10 tours. Alonso est premier. Il était deuxième. Massa est deuxième. McLaren remonte à la troisième place. Nous on reste toujours sixième. Toyota s'éloigne un petit peu. Et du coup, on va se retrouver pour le Grand Prix de Silverstone. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais faire une pause et on se retrouve pour la suite. Il y aura deux Grands Prix dans cette vidéo. Deux pour le prix. Très belle qualification, vraiment. Et de retour du coup pour le Grand Prix de Silverstone en Grande-Bretagne. Avec une 15e place en qualification en tout donné. J'ai perdu énormément de temps à chercher des bons setups. À la fin c'était un peu mieux, mais j'ai raté mon dernier tour en fait, j'ai loupé la dernière chicane. On était encore un peu en avance, on aurait peut-être pu, vous allez le voir du coup, on termine en 15e place. Ouais, et encore il fallait taper 20.443, hein, donc c'est mort. Quoique non, 21.3. Ah ouais, j'aurais peut-être même pu finir 13e. Bon, on va voir en course ce que ça va donner. Allez, c'est parti, je n'ai déjà plus de pouces. Départ. Button prend un excellent départ. Massa aussi. Ils abordent le premier virage. Michael Schumacher sort du virage 1, le premier. J'ai raté le premier virage. Felipe Massa. Derrière lui, Juan Pablo Montoya. Oh, il y a une roue devant. Oh là 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 là, le carton. C'est Nico Rosberg. Oh, vous avez vu la roue voler là. Oh, oh, oh. Alors j'ai une bonne test de pointe, c'est peut-être le seul point où j'ai de la chance. Alors on est 11e, bon départ. Ouf, c'était compliqué le Magos Beckett Chapel. Avec le carton devant. Mais au moins, on a récupéré un peu de place. Selon l'indicateur d'état de la voiture, tes pneus sont à température. Tu devrais avoir une très bonne adhérence. Alors on va voir au niveau des gommes, parce que ça s'accueille qu'il les bouffe énormément. En tout cas, en termes de vitesse pure, c'est pas folichon hein, depuis 2-3 courses. Voilà à quoi ressemble la course après le premier tour. Schumacher mène la danse. Massa est deuxième. En troisième, Juan Pablo Montoya. Button est quatrième. Il en plus, c'est lui sur la piste. Kimi Räikkönen, cinquième. Il a chuté depuis la quatrième place. Oui, la vitesse de pointe quand j'arrive sur la Toyota à la fin. Superbe première portion, c'est ton meilleur temps jusqu'ici. J'essaie de me coller à la Toyota pour avoir un peu d'aspiration. Ah, il y en a un moment devant. Ah non, c'est toujours la même Toyota qui rentre ralenti ou je sais pas. Du mal dans le virage. En troisième, Juan Pablo Montoya. Button est quatrième. Kimi Räikkönen, cinquième. Et la faute. Septième, Giancarlo Fisichella. Et Rubens. On reste 11e parce qu'il y a une Renault qui a abandonné. Je disais bien que j'avais pas beaucoup de grip. Alors les Red Bulls ont énormément de vitesse de pointe, ça c'est plus compliqué avec elles.
Non, 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 non. Non, non, t'oublies, c'est pas la peine, je vais pas replanter ta queue maintenant. Ouais, j'étais sur le lit horreur et du coup... Felipe Massa a considérablement amélioré son temps pendant ce tour, son meilleur jusqu'ici. Oh, il y a une cognature dehors. Oula, mais c'est l'hécatombe les gars, parce que ça fait combien, 3 voitures? J'arrive pas à le prendre ce virage. J'arrive pas à le prendre ce virage et malheureusement on perd beaucoup trop de temps à cause de ça. Oh, vous l'avez vu, hein, notre Azu était juste devant. Oh, il me manquerait plus que deux places pour marquer un point. Je sais pas si on va pouvoir attraper Weber ou Trulli. Weber en plus il était avec la Williams, hein, donc on devrait pouvoir quand même aller chercher. J'ai du mal, j'ai du mal. Oh, il me colle derrière, c'est impressionnant. Allez, 3 secondes de retard. Barrichello, 6ème. À la 7ème place, David Coulthard. Et voilà Trulli, 8ème. T'as fait 5 dixièmes de mieux dans la première portion. On était à 3 secondes de tout à l'heure sur ce Weber, on est à combien? Deux secondes. Le tour que j'ai fait avant, c'était vraiment... je pense pas que je pourrais faire des tours comme ça tout le temps. J'ai loupé. Le pilotage de Schumacher est destiné à mettre la pression. Il vient de boucler un tour en 1:18.94. C'est sensiblement mieux que Felipe Massa. Non, 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 non. Encore une fois le libre qui me met dehors. Enfin, je vais tuer en même temps, mais... Ah, ça va être compliqué, là. Ça peut toujours se passer quelque chose, hein, mais... Je vais quand même essayer de rattraper Clean.
Quand je vois l'écart quand même avec les autres, c'est compliqué. Faut avoir vraiment un miracle. Nous en sommes aux deux tiers de la course. Schumacher mène la danse. Massa est deuxième. En troisième, Juan Pablo Montoya. Button est quatrième. Giancarlo Fisichella est cinquième. Barrichello est sixième. À la septième place, David Coulthard. Et voilà Trulli, huitième. Oh, potentiellement on a notre abandon. Toujours 11e, donc je pense que non. En tout cas, c'est derrière que ça s'est passé. Non, 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 non! Voilà. C'est tellement dur de gagner le moindre dixième, alors en plus le moindre erreur chaque fois n'en fait perdre 5 ou 6 secondes. Nous sommes aux trois quarts de ce Grand Prix. Schumacher mène la danse. Massa est deuxième. En troisième, Juan Pablo Montoya. Button est quatrième. Moi je lâcherai pas, hein, mais bon, c'est 5 secondes 4 là, faudra un miracle. Sixième. À la septième place, David Coulthard. Et Villeneuve est 12e, juste derrière nous. En tout cas, le dernier objectif, 5 secondes 5. Le dernier objectif n'est pas atteint. Marquer des points là. C'est dixième. Nous entamons les derniers tours de ce Grand Prix. L'écart est encore significatif, mais Rubens Barrichello a fait une belle remontée. Il pourrait bien arriver à le doubler. Fisichella a du souci à se faire. À l'heure actuelle, l'écart est d'une seconde et 7 dixièmes. Barrichello fait un excellent temps sur la troisième portion. L'écart a chuté. Il atteint maintenant 1 seconde 6. Ils ont réussi à pas prendre la flaque du vide. Ouais, mais imaginez, là, j'aurais été 9e, 8e avec l'erreur, 2 erreurs, j'ai perdu 2 places. 5 secondes 2. Fisichella n'a pas dit son dernier mot, il commence à attaquer. Bon, j'arrive pas à attraper Clean. Ouais, j'ai quasiment plus d'essence, donc ça tombe mieux. Dans cette partie, je peux accélérer à fond. Barrichello revient clairement sur son adversaire. Il a réussi à réduire l'écart de 2 dixièmes de seconde supplémentaires. J'ai raté la sortie. Massa occupe la première place. Juan Pablo Montoya est deuxième. Button est troisième. Fisichella est quatrième. Barrichello, cinquième. Sixième, on retrouve Coulthard. Trulli est septième. Fisichella n'a pas dit son dernier mot. Il commence à attaquer. 5 secondes, il ne gagne pas grand chose. Entre les deux pilotes.
Ça serait comme Tucker en Touring Car, j'aurais peut-être des moyens de terminer dans les points, mais là, on n'y est pas. C'est moi ou Villeneuve revient en plus derrière? Loin Massa. Felipe Massa a offert à la foule un grand prix qui marquera les mémoires. Ouais, pas comme en 2008. Il n'a pas dit son dernier mot, il commence à attaquer. Il a creusé l'écart d'un dixième de seconde supplémentaire. Alors que nous entamons le dernier tour de ce grand prix et que la fin de la course est imminente, Barrichello a presque réussi à doubler la voiture devant lui. Je crois qu'on va encore voir de l'action aujourd'hui. J'aimerais me faire ameuter par Villeneuve. Il s'était qualifié à la deuxième place pour ce grand prix et doit donc être enchanté de mener dans le dernier tour de la course. Fisichella prend encore de l'avance. Il conforte sa position de leader avec 3 dixièmes de seconde supplémentaires. Non mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe d'une... T'as mangé du nion là? Oh là là, plus... Je vais faire des erreurs, donnez-moi, bon, de toute façon c'est terminé. Tu vois, si Villeneuve était parti devant moi, bah potentiellement il serait dans les points. On aurait pu avoir des points pour BMW, mais... C'est là où j'étais un peu bête en fait, j'aurais pas dû prendre Heidfeld, j'aurais dû prendre Villeneuve. Parce que comme il finit souvent derrière, Heidfeld lui aurait peut-être marqué des points. Ouais, là j'ai vraiment du mal. Hein. Par contre, Noé, tu ne te prendras pas à 10ème place. Hein. Tu étais derrière tout le Grand Prix, tout le week-end. Bon, bah doublé BMW en 10ème et 11ème place. Silverstone nous a réservé une bonne surprise. Bon, bah c'était, j'ai tout donné, hein, vraiment. Bon, les deux erreurs, c'est vrai que j'aurais pu être évitable. C'est pas les erreurs dramatiques, mais c'est bon, c'est un peu dommage parce que Weber, on était devant lui au tout début. Mais bon. Et du coup, il vient se marquer un point. C'est le gros problème. Alors du coup, le championnat... Alors, il y a quand même énormément d'abandons. Hein. 3, 4, 5, 6, 7 abandons. Du coup, championnat pilote. Massa repasse en tête championnat devant Schumacher. Fisichella prend la 3ème place. Alonso 4. Montoya, Barrichello, Button, Raikkonen. Nous, on descend à la 11ème place. Coulthard dépassé devant nous. Klim 12. Rosberg, Schumacher. Et au championnat constructeur, ben on s'en fait dépasser par Red Bull Ferrari, c'est pas du tout bon. Et on est ex aequo avec Williams. Donc pour l'instant, ben on n'arrive pas. Hein. On n'arrive pas à faire mieux. Et Midland qui passe devant STR Cosworth quand même. Hein. En 9ème position. Bon bah écoutez. J'espère quand même que ça vous aura plu. On se retrouvera pour le Canada la prochaine fois. En espérant pas se faire rentrer dedans. Dans le point virage. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.